Du coup, ce qu'on est venu chercher, nous, hacking de l'Hôtel de Ville, bah, c'est tout d'abord, on a été invité par la Maker Faire, qu'on tient personnellement à remercier. Et en plus de ça, donc, notre équipe donc chez Luni, on est en levée de fonds en ce moment. Et on vient de lancer notre première production. Et du coup, on cherche à rencontrer un maximum de monde pour pouvoir parler du projet, trouver des potentiels distributeurs et pour trouver des potentiels acteurs dans notre levée de fonds. Le hacking en trois hashtags, c'est hashtag cash, hashtag smart food, hashtag Thierry Marx. Viens nous voir, Thierry Marx, on a besoin de toi. C'est hashtag rencontre. Hashtag bonne ambiance et hashtag maker. Bon, alors tout de suite, c'est l'application mobile qui vous dit où sortir, là maintenant, tout de suite. Donc il y a un petit jeu de mots dans le logo. Et ce qu'on est venu faire aujourd'hui au Hacking Hôtel de Ville, c'est rencontrer nos partenaires, d'éventuels investisseurs et d'éventuels prestataires qui ont demandé à avoir rendez-vous avec nous et avec qui nous échangeons pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Did you say shake hands? Yes. Yes. Sur quoi est-ce que vous travaillez pour continuer à encourager cette jeunesse créatrice ? D'abord, les attirer le plus possible et donc ouvrir des espaces, les incubateurs. Il y a eu d'abord une politique publique qui a amorcé ces incubateurs à Paris à partir de 2008. Et puis aujourd'hui, le secteur privé a largement repris aussi le dessus. Donc continuer à développer cette politique d'incubateur et faire en sorte que l'écosystème parisien soit attractif pour tous ces jeunes créateurs. C'est à la fois les écoles, à la fois les universités, la recherche, mais aussi la culture, le fait d'être un espace attractif parce qu'on y trouve cette capacité à rencontrer le monde entier. Ça, ce sont des éléments majeurs pour faire de Paris cet écosystème qui est aujourd'hui reconnu dans le monde entier, un écosystème très attractif pour cette économie numérique. Ils ont précédé de se retrouver. Comment les incubateurs sont déjà le réseau d'incubateurs de l'Hôtel de Ville, c'est une excellente opportunité de rencontrer un grand nombre de dossiers de qualité, d'ailleurs parce qu'ils ont été présélectionnés. Donc c'est un très bon filtre pour moi qui est une double casquette d'investisseur et de consultant. D'ailleurs, mes critères sont en général les mêmes pour retenir des clients ou pour investir. Donc c'est vraiment une magnifique journée. Je remercie tous les organisateurs et la mairie de Paris de cette initiative. Nice. We do bees. Psycho Gesture 3.